Bon, cette fois-ci j'ai ma chicane parce que j'ai pas de plaque à l'arrière. J'avais le riveret là qui s'est enlevé, ou je sais pas comment on appelle ça, la petite vis là. Il y en a une qui s'est enlevée, du coup j'ai enlevé l'autre. Et là je vais chercher un, comment ça s'appelle, qui fixe la plaque. Les gens ils doivent me regarder chelou comme je suis sans plaque. Bon, là on va voir là s'il y a des flics qui vont me casser les couilles. Là, il suffit juste qu'il y ait un flic derrière moi, il va vouloir me contrôler parce que j'ai pas de plaque. Oh putain, comme par hasard. On fait crari, tu vois, on est en train de faire un truc. Non, regarde, ils sont partis. Ah, ils sont partis. La meuf, elle est en train de me regarder dessus, lui, elle sait que j'ai pas de plaque. Faut juste pas que je me fasse contrôler, tu vois. Parce que là, je vais justement aller chercher le truc, là, pour... Je vais chez les mecs là pour qu'ils me mettent la plaque quoi. La plaque elle est là, attachée à mon ventre. Attends, on les a esquivés de peu hein. Tu vois, comme par hasard, quand t'as pas ta plaque là, ils sont là en mode j'ai mis ma chicane justement à cause de ça, tu vois. Comme ça j'attire pas le contrôle. Après ça reste 90€ d'amende, mais bon, juste qu'ils vont faire chier pour rien quoi. Avec le bol que j'ai, mon cul, des motards flics viennent juste derrière moi en interfile. Je vais écouter ta mère, 10 heures de merde. Ils veulent que je paye, c'est pour ça. J'ai pas envie de payer, je sais pas, 9,99€ juste pour de la musique. Je suis un radin. Ah. On a pas de plaque, mais bon, j'ai pas envie d'allumer le radar pour rien. C'est pas mon but, tu vois. Mon but, c'est juste d'aller mettre ma plaque, bordel de merde. Là, en moins de 500 mètres, on est passé devant deux radars. Sauf comment. Bienvenue à Paris. Je les ai bien esquivés, hein, les flics là. Si ça se trouve, t'inquiète pas qu'il y en aura d'autres là après. J'espère que non. Mais là où je vais aller, tu vois, c'est blindé de keuf. Tu vois, donc. Allez. Mieux vaut éviter d'accélérer là parce qu'ils doivent être aux jumelles comme des oufs. C'est ça qui me casse les couilles à Paris. Et même en France en général. Tu peux pas accélérer. Tu vois, t'as des endroits vraiment tu peux accélérer largement. Et après tu te fais attraper comme un chien, tu vois. J'en connais beaucoup qui s'arrêtent pas, mais moi c'est pas mon genre. Moi tu vois, j'ai acheté une bécane, j'ai une carte grise et tout, j'ai l'assurance, je paye tout. Pour au final ne pas m'arrêter, tu vois, ça sert à rien. Après tout dépend sur quel genre de flic tu tombes. C'était quoi ça? Je prends en tant des flics. Quand t'es pas en règle, tu deviens parano, mais c'est un truc de ouf. Ça, c'est lui qui a freiné tout le monde. C'est bon, y'a rien, frère. Merci Claudette. Enfin, cette journée, c'est sûr que c'est blindé de keuf, même hier. Ah ouais, hier, j'allais sortir avec la bécane. Hey, dès que je la sortais, toi, de chez moi, il y a quoi? Parce que moi, tu vois, j'ai garé la bécane dehors. J'étais à côté, genre, j'allais démarrer. Je vois quoi? Il y a une fourgonnette de flic qui passe juste à côté. Hey, la meuf, elle me regardait, moi, et le non-plaquisme. J'étais mort. Elle m'a fixé, et un truc de ouf. Jusqu'à rouler, tu vois, à 5 km/h ou 10 km/h. Puis après, ils sont partis, elles me regardaient dans le rétro encore, tu vois. Du coup, ce que j'ai fait après, comme j'ai vu qu'ils ont allumé les gyros une fois qu'ils sont arrivés au feu, j'ai direct caché la bécane, tu vois. Pour pas qu'ils viennent me contrôler, là. Ah là là, une grande histoire d'amour avec ce flic. Et moi, je resterai toujours dans l'optique de... Il y a des bons et des mauvais, tu vois. Bon, 10h, ils me cassent les couilles avec leur musique de merde. Hop, ça dégage.
problème avec la bécane, j'ai mis un mauvais mode. Parce qu'il y a un mode sport, il y a mode je sais pas quoi, mode plus franc, je sais pas quoi, mode agressif, les modes que tu veux frère. Et j'ai mis un mode 2, je sais pas c'est quoi. Là je le remarque là dans les wheeling là, on a plus la même patate. Là faut que je rectifie ces modes là que j'ai fait là sous la selle. Pas mal la petite Ducati là. Par contre ça coûte une blinde ces merdes, c'est. Puisqu'on s'attend mon panne, laisse tomber frère. En plus ils sont réputés pour leur panne. Bon, on a acheté ces Clio, je sais que ça va bien aller dessus. Oh, ça va être magnifique. Impec. Putain, la grosse plaque, putain, état de merde. Bon, ça va prendre la place de la plaque, ça. Bon, on a mis la plaque, on est bien là. Et il me reste juste à mettre les clignots que j'ai achetés, et après, ça va être au top.